Attrape, c'est pour Sant'Antonio. Y'a rien pour nous? Non, rien, oui. Bienvenue à Black City, étranger. C'est tout de même une drôle idée de s'arrêter ici. Vous savez que c'est un sale coin? Oui, j'ai déjà entendu dire ça. Dites-moi, est-ce que je peux trouver un endroit dans les environs pour passer la nuit? Oh, si c'est juste pour une nuit. Vous pouvez venir chez moi si vous voulez. Merci. Pays, le vent souffle régulièrement tous les matins et tous les soirs. Venez donc manger quelque chose, ça vous réchauffera. Venez. Venez. Entrez.
Comme vous le voyez, le décor est plutôt simple. Bon, au fond, l'important, c'est d'avoir un toit et un coin pour se réchauffer. Asseyez-vous. Faites comme chez vous. C'est vrai, ça n'est peut-être pas très luxueux. Bon, mais moi, ça me suffit. Je vous en prie. Asseyez-vous. Je vais vous donner une assiette. Oh, il y a bien Tom qui loue des chambres, mais je ne vous les recommande pas. Encore mieux, coucher à la Belle Étoile. C'est un endroit plutôt mal fréquenté. Il y a souvent des bagarres. Ici, vous êtes plus tranquille. Vous avez l'intention d'attendre le passage de la prochaine diligence et de continuer vers le nord? Ou bien, peut-être vous allez à Redton. Eh bien, dans ce cas-là, écoutez, il faut que vous preniez le chemin vers Bird Hill et que vous tourniez à droite. Non, je ne fais rien de tout ça. Je compte rester à Black City. Pour quelle raison? Eh bien, je m'appelle Jack Ronson. Je suis shérif fédéral. Et écoutez, sûrement que vous savez où se trouvent les clés du bureau de votre ancien shérif. Mm-hmm. OK? Vous voyez, je vous ai pas raconté l'histoire. C'était pas la peine de chercher les clés.
Mais qui sont ces gens-là? Ces gens-là, disons plutôt que ce sont des bandits. Et jamais aucun shérif n'a rien pu faire contre eux. C'est le fameux Sanchez et toute sa racaille. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher à Black City? Et vous, comment les avez-vous connus? Ils sont célèbres dans toute la région. Et ils ont une histoire plutôt longue et triste. Un ramassis de hors-la-loi, venu d'un peu partout, du Mexique, du Texas, de la Californie. Tous assassins professionnels. Un cigare? Non, merci. Ils sont là, si vous en voulez un. Non, merci. Monsieur Sanchez, d'où vient-il? Sanchez? Tout le monde le sait. Il vient du Mexique, c'est un bandit et un assassin. Ah, tu t'en rendras vite compte. On t'a envoyé dans un endroit mal choisi pour un jeune shérif. Et celui-là, qui c'est? J'en sais rien. Je l'ai jamais vu ici. Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu fais? Pour qui tu te prends? Ici, on n'aime pas beaucoup les clients dans ton genre. C'est moi le patron. Et je fais ce que je veux. Ne touche pas cette bière. D'ailleurs, elle coûte cher. Et puis, qu'est-ce qui me dit que tu as de l'argent? Ah ben alors quoi? Vous êtes sûr? Va falloir payer maintenant. Tu m'as dit que tu voulais être payé. Tiens. Et maintenant, donne-moi une chambre. Eh bien, t'as pas entendu? Oui, tout de suite. Tout de suite. Voilà. Thank you.
Ça fait 30 sous, chérie. Bah, ça pue l'écurie là-dedans. Tom! Oui. Apporte-nous à boire et à manger. Tout de suite. De la bière, du whisky, de la viande. Dépêche-toi. Hein? Oui, monsieur, bien entendu. Dis donc, Tom, il y a un shérif fédéral qui serait arrivé, d'après ce qu'on m'a dit. Oui, c'est exact, Mr. Bud. C'est exact. J'aimerais beaucoup lui parler, alors. Pour lui dire que dans le coin, c'est moi et personne d'autre qui maintiendrait l'ordre. Parce que nous, les gens trop curieux, on n'en veut pas ici. N'est-ce pas, Tom? Sûr, Mr. Bud. Je voudrais aussi lui dire au nouveau shérif que le seul endroit où on ne risque rien, c'est parmi les grandes dames et les dandies. Eh bien alors, shérif. Tu peux pas regarder où tu mets les pieds, non? Hein? Regardez-le, les gars. Ce type-là, c'est l'homme qui est venu à Black City pour protéger les habitants et faire respecter la justice. Quand on se fait désarmer aussi facilement, on n'a pas intérêt à se mêler aux grandes personnes. T'es bien trop jeune, shérif, pour ce genre de métier. Alors retourne là d'où tu viens et contente-toi de faire la cour aux donzelles. Hmm? C'est plus facile et moins dangereux pour la santé. Entrez. Bonsoir, McLean. Bonsoir, chef. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vous en prie. Je me doutais que vous alliez venir. J'ai apprécié que tu aies su garder ton sang-froid quand on t'a provoqué. Et tu t'en es vraiment bien tiré. Ce Budweiler est un drôle d'individu, tu sais. Tiens, rends-toi compte. À peu de choses près, il y a 5 ans que Bud est arrivé un beau jour à Black City. On ne pouvait pas imaginer que cet homme allait bouleverser la tranquillité de notre village. Car jusqu'alors, nous avions réussi à nous protéger des bandits. Mais Bud Wheeler est un homme rusé, brutal et sans scrupules. Et un soir, avec l'aide d'une bande de hors-la-loi mexicains...
qui se passe? Hey, tu, qu'est-ce que tu veux? Tengo sed, hombre. Moi aussi, j'ai soif. Tiens. C'est ainsi que Bud Wheeler a réussi à libérer Sanchez. Et depuis ce moment-là, ils sont inséparables. Vrai sadique. Il tue pour le plaisir de tuer. Il est recherché dans plusieurs états et le gouvernement mexicain réclame sa tête. Conchita! Guapa! Et personne n'a jamais dénoncé cette bande d'assassins. Si. Un seul homme a eu le courage de le faire. Il avait été témoin d'une vengeance sanglante exercée par Bud et par Sanchez. C'était Frank Coulter. Coulter, son courage n'aura pas servi à grand chose. Et qu'est-il devenu, Coulter?
Oui, c'était eux, shérif. Il n'y a pas de doute. Je venais à peine de m'éloigner du campement. Ils les ont massacrés sans aucune pitié. J'ai tout vu de là où j'étais. Vous savez, je les connais bien. C'étaient les trois les plus dangereux de la bande. Il y avait Sanchez, Bud Wheeler, et avec eux, il y avait aussi Teddy, le chauve. Tu es bien sûr que c'était Bud? Oui, c'était lui, j'en suis sûr. Je l'ai reconnu. Et toi, tu es le jeune Colter? Oui, en effet. Quand est-ce qu'il doit rentrer, ton frère? Dans quelques minutes, je crois. Alors, je l'attends qu'il revienne. Je pense qu'il devrait pas tarder, maintenant. Enfin, te voilà, Colter. Tu me reconnais, non? Ben alors, tu ne réponds pas? Je crois bien que je t'ai déjà vu une fois, en effet. Une fois seulement? Moi, je crois que tu mens. Il paraît que tu allais raconter des histoires au shérif. Vois-tu, Colter, les shérifs ont une sale habitude. Ils se mêlent toujours de ce qui ne les regarde pas. Entre nous, j'aime pas leur façon au shérif. Je te l'ai dit tout à l'heure, je t'ai vu une fois, une seule fois et c'est tout. Une seule fois, hein? Tu es certain que c'est la vérité? C'est lui qui l'a voulu. Là où ils sont, ils ne pourront plus témoigner. Voilà toute l'histoire, c'est pas drôle, tu vois. Maintenant, tu sais qui est Sanchez et Bud Wheeler. Malheureusement, ils ont réussi à éliminer tous les témoins de leur crime. Et le shérif Mason, qu'est-ce qu'il a fait pour empêcher tout cela? J'avais entendu dire qu'il était un homme courageux. Pourquoi il n'intervenait pas? Il n'avait aucune preuve contre eux. Évidemment, comme tu le sais, le témoignage de Colter lui aurait sans doute permis de les inculper. Mais celui-ci fut retrouvé le jour même sauvagement assassiné. Et également à ses côtés gisait le corps de son frère Tony. Quelques heures plus tard... Salut, shérif Mason. Tiens, je pensais justement à toi, Wheeler. Et c'est ainsi qu'est mort notre dernier shérif. Et plus personne n'ayant voulu du poste, on a dû faire appel à un shérif fédéral. Et c'est pour ça que tu es ici. Qui est-elle? C'est une Mexicaine. Elle s'appelle Dolores. Elle cuisine et elle sert aussi les clients. Elle te plaît, hein? Ne ris pas comme un crétin.
Réveille-moi demain matin à 7 heures et que le café soit chaud. Buenos días, señor. Buenos días. Señor, je vous apporte votre café. Vous devriez le boire avant qu'il ne soit froid. Muchas gracias. Attends une minute. Il faut qu'on parle tous les deux. Prends une tasse de café. Bien. Muchas gracias. Tu vas dire que je suis curieux. Tiens, bois ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais à Black City? C'est une histoire plutôt longue. Raconte-moi. Il y a 2 ans que je suis ici. Mon père est américain et ma mère mexicaine. Et moi, j'ai toujours vécu au Mexique. C'est Sanchez qui m'a emmené ici. J'étais obligée de le suivre parce qu'il menaçait de tuer ma famille. Si je ne me soumettais pas à ses caprices et à sa volonté, je devrais sans doute essayer de fuir, mais je sais qu'il n'hésiterait pas à mettre ses menaces à exécution et à massacrer ma famille. Mais ce Sanchez, qu'est-il? C'est un gibier de potence. D'ailleurs, il est recherché dans plusieurs états. Voilà des années qu'il n'y a plus de shérif à Black City. C'est bien pour ça que Sanchez vient toujours se réfugier. D'autant plus que dans ce pays de malheur, celui qui fait la loi, c'est Bud Wheeler. Un homme plus dangereux que Sanchez. Car il ne s'est jamais fait prendre, lui. Il est bien trop rusé. Tous ces crimes, ils s'arrangent pour les faire passer comme légitime défense. Et de toute façon, il ne reste jamais un témoin qui puisse l'accuser. Et Sanchez voit-il son repère? Il n'en a pas, Seigneur. On ne sait jamais où il est. Il arrive au moment où on s'y attend le moins et il reste au maximum une nuit. Un démon, je vous dis. Ça m'étonnerait qu'il vienne ici juste pour tes beaux yeux. Je pense qu'il doit avoir une raison plus importante. T'as pas une petite idée là-dessus? Je vais tout te dire, Seigneur. Avec Wheeler et Sanchez, notre nouveau shérif va bien vite regretter d'être venu. Mais je crois qu'il y a un autre individu dont je dois encore parler. Un certain Joe Smith. Ici, tout le monde l'appelle l'ermite parce qu'il vit tout seul et qu'il ne parle jamais à personne. Il y a une chose très curieuse, c'est que chaque fois que Bud et Sanchez sont dans les environs, ce Joe Smith quitte Black City, je ne sais pas pour quelle raison, et on ne le revoit qu'après 2 ou 3 jours. Ok. Continue, ça m'intéresse. Tout ça, je l'ai appris par hasard. Je crois que personne ne sait vraiment ce qui se passe. Bud est beaucoup trop malin, on ne l'a jamais vu avec Joe Smith. Sanchez, par contre, je l'ai vu qui parlait avec lui. Mais je n'ai pas idée de ce qu'il manigance entre ces deux sales types. Dis-moi, tu sais autre chose? Non, je vous ai tout dit, Seigneur. Mais si ça t'est utile de rencontrer Joe Smith, tu peux le trouver chez le barbier Ben Arthur. Chaque matin, je sais qu'il y va. Je te remercie, Dolores. En effet, tout ce que tu m'as dit va me rendre service. Je n'oublierai pas, sois tranquille. Qu'est-ce que t'en dis, Yonko? Elle a l'air pas mal, non? T'aurais pas envie de lui dire deux mots, toi? Oui, c'est une idée, Bud. Alors viens, allons la voir de plus près. D'accord, allons-y. Ah. Tu vas voir.
Smith, je vais te raser à contrepoil. Ouais. Ouais. Attention, je vais commencer par la gorge. Ne me coupe pas, Ben, surtout. Je te coupe la gorge si tu ne parles pas, tu entends? Mais que veux-tu que je te dise? Tu vois pas que je dors, non, hein? Si tu es sourd, je peux te déboucher les oreilles. Qui a tué les frères Colter? Hein? Qui les a tués? Alors, tu réponds? Oui. Je vais te le dire, c'est Bud Wheeler. Alors, tu le savais, hein? Et tu n'as pas eu le courage de dénoncer Wheeler. À Black City, les gens curieux comme toi, on les supprime. S'est-il passé, étranger? C'est lui qui l'a cherché. Ouais, c'est vrai, shérif. Vous voyez bien. Hé, hey, les gars! Ils ont assassiné Peter Sturgeon! Hein? Et qui a fait le coup? Dans sa ferme, je l'ai vu. Ah, qui a fait le coup? C'est sûrement un coup de Sanchez. Ah, je donne pas ça. Dites-moi quelle est la route pour aller au ranch de Peter Sturgeon. Il est un peu tard, j'ai l'impression. Tu dois quand même faire l'enquête. Eh bien, Willy? À peine sorti du village, tu prends le premier sentier à droite. Et 10 kilomètres plus loin, toujours dans cette direction, tu trouveras le ranch de Peter Sturgis. Un instant. Mes condoléances, madame. Pardonnez-moi de vous importuner dans une circonstance comme celle-ci, mais j'ai besoin de votre aide.
Je suis Ranson, le nouveau shérif, et je vais immédiatement essayer de retrouver les meurtriers de votre mari. Laissez-moi, on vous a rien demandé. Rien. Alors laissez-moi seul, sortez. Je suis désolé, je comprends votre douleur. Encore ici? Je croyais vous avoir dit de vous en aller. Sortez d'ici. Alors, calmez-vous. Allez-vous-en. Vous n'avez pas encore compris que c'est un endroit maudit. Vous n'avez rien à faire ici, étranger. Ici, on a besoin d'hommes vrais. Mais ça on suffit. A besoin d'hommes comme mon Peter. Vous calmer comme mon Peter. Dans mon sang. Ça suffit. Assez. Je vous jure que l'assassin de votre mari sera pendu. Ah tiens, espèce d'imbécile. On te commande 4 bières et toi t'en apportes 3. Rafraîchis-lui les idées. Ce pistolet. Boy, fais ce qu'il te dit. Il a sûrement la peau dure, ce type-là. Alors, t'es encore là, ce que je vois. T'allais pourtant conseiller de quitter au plus vite Black City. Je t'ai déjà dit que la loi ici, c'est moi qui l'a fait. Ou alors, peut-être bien qu'il a besoin que je lui fasse voir encore une fois que je suis le plus fort. Hein? Brûle, hein? Surtout quand on n'a pas la peau dure. Réfléchis, voyons. Je t'avoue que si j'étais à ta place, je quitterais Black City. Tu as encore le temps de le faire. Mais si tu es assez idiot pour ne pas écouter mes conseils et que tu décides de rester,
Eh bien, on se retrouvera demain matin à l'aube sur la place. Et à cette heure-là, il fait drôlement froid. Et il y a un sacré vent qui souffle. Il est si fort ce vent que je me retrouverai peut-être tout seul. Hein? Non, Bud Wheeler. N'aie crainte, j'y serai. Entrez. Tu es courageux, shérif. L'ennui, c'est que Bud n'a aucun scrupule. Et que toi, tu n'as sûrement pas l'habitude de ce genre de duel avec le vent et la poussière qui vous aveugle. Il sait y faire, Bud. C'est un type dangereux. Et puis, cette affaire me regarde personnellement. Et je t'avertis que je n'ai pas l'habitude de me déranger pour rien. Tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est très simple. J'ai décidé de te remplacer. Tu as été à l'école militaire. Tu as peut-être un diplôme de tireur d'élite. Mais fais bien attention. Ici, c'est autre chose qu'à l'école de tir. Les cibles n'attendent pas tes coups de feu et tu devrais te méfier. Elles ripostent plus vite que toi. Ça ne change pas ma décision. Et de toute façon, je ferai ce duel. Et puis, c'est inutile d'insister. Car nous n'avons plus rien à nous dire. Écoute, shérif. J'ai donné ma parole à une femme que je retrouverai l'assassin de ses deux frères. Je l'ai retrouvé et maintenant c'est à moi de faire justice. Ici, c'est moi qui représente la loi. C'est donc à moi de régler cette affaire. D'accord. On peut toujours trinquer.
Dehors, il y a un vent terrible. Et quel froid. Faut pas m'en vouloir. Je t'avais dit que j'avais un compte à régler avec Bud. Ça, c'est un shérif. C'est un homme comme lui qu'il fallait à Black City. Extraordinaire, vraiment. J'ai assisté à la scène de ma fenêtre. Ça, il est drôlement rapide. Bud Wheeler a eu ce qu'il méritait. D'accord, Bud a été liquidé avec lui tous ses hommes. Mais qu'est-ce qui se passera quand Sanchez va apprendre ça? Maintenant, c'est du Mexicain qu'on devrait se préoccuper. N'empêche que le shérif est un type vraiment bien. On devrait s'arranger pour l'aider. L'aider contre Sanchez? Compliments, shérif. Tout le village est en train de parler de toi. Tu vois, ton courage et ton audace, ça nous a redonné confiance. T'as gagné. Oh, mais attention, il reste encore Sanchez. Et lui, ce sera difficile. Parce qu'il va se méfier. Mais je sais que tu y arriveras. Ça suffit. J'en ai assez de t'entendre. J'ai décidé de quitter Black City. Je te confie ma lettre de démission. Mais shérif, maintenant, tu n'as pas de raison de t'en aller. Je sais que ma carrière est en jeu. C'est égal. Rien ne me fera changer de décision. Je regrette pour toi, Willy. Je ne vois pas d'autre solution. Mais voyons. Je croyais qu'un shérif fédéral n'avait pas le droit de donner sa démission sans l'accord formel de ses supérieurs. Et puis, il y a encore Sanchez. Il va accourir et n'épargnera personne. Il mettra tout à feu et à sang. Il nous fera payer cher la mort de Wheeler. Et toi, tu veux t'en aller. Oh. Je suis certain que tout ira très bien et que Sanchez trouvera à qui parler maintenant, ne crains rien. Je m'en vais. Thank you.
Le shérif. Il quitte Black City, il vient de donner sa démission. Ça m'étonne beaucoup de lui. Qu'il nous abandonne dans un moment aussi critique. C'est incompréhensible. Il est le seul homme qui aurait pu nous protéger, nous défendre contre Sanchez. Mais ça n'est pourtant pas un lâche. Il reviendra. Sois tranquille. Je voulais m'excuser, je venais vous voir. L'autre jour, il m'était impossible de raisonner avec sang-froid. Bud est arrivé sur moi en ricanant. Alors je me suis tout de suite rendu compte de ce qu'il voulait. Je me suis débattue, j'ai appelé Peter en criant. Je sais que j'ai tout compliqué. Oui, je sais, j'aurais dû vous raconter ce qui s'était passé. Mais au contraire... Mais non, il est inutile de vous justifier. Vous aviez bien raison. Je ne suis qu'un étranger ici. Et c'est pour ça que j'ai décidé de quitter Black City. J'ai donné ma démission. Je ne peux plus supporter que... Vous n'avez pas le droit de vous en aller. Parce que... Regardez donc ce qu'ils ont fait du ranch de la famille Colter. C'est tout ce qu'il en reste. Wheeler a tué les deux frères et incendié le ranch. Cela vous donne une idée de ce qui arrivera sans aucun doute dans la région quand Sanchez saura que son complice Bud a été abattu. Vous devez rester. Vous n'avez pas le droit de nous quitter, ni de nous abandonner de cette façon. Désolé, je m'en vais. Pourquoi le shérif a-t-il quitté le village? À vous deux, vous auriez sûrement vaincu Sanchez. Maintenant que Bud a été tué, Sanchez va faire un vrai massacre. Et ce sera pire que jamais. Comme d'habitude. Mmh.
Dolores, tu vas me dire qui est l'assassin de mon ami Buddy. Quelle puta! Non, je n'en sais rien. Répondez! Te abro el vientre si no me dices. Et maintenant, vous allez tous payer pour la mort de Joe Smith et de Bud. Tom, dis-moi qui les a tués. Je n'en sais rien, je te jure. Ah, tu ne sais rien, cabron. Écoute, si ça t'intéresse, je vais te le dire. Bud, c'est moi qui l'ai tué. Et puis, en tant que shérif de Black City, je pouvais t'arrêter, Sanchez, mais... Mais je ne le suis plus. Et toi, Sanchez, je remarque que tu ne te déplaces jamais sans te faire escorter toute ta bande, hein? Parce que tu as peur de te battre quand ils ne sont pas là. Sinon, prouve le contraire. Il vient te battre à l'aube. Seul. Et pour une fois, ce sera d'homme à homme. Toi. Vous avez entendu? Le shérif veut se battre avec moi. Sanchez. Rendez. Force-nous à boire. Je suis venu pour t'aider. Je crois que je peux le faire. Non, c'est inutile. Je tiens à régler cette affaire tout seul. D'accord, d'accord. On peut tout de même bavarder et boire un verre de whisky. On peut essayer de s'entendre. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne crois pas qu'on arrivera à se mettre d'accord tous les deux. Cette fois, c'est moi qui serai à boire. Comme tu veux. Alors vas-y, je t'écoute. Sanchez est un type très dangereux. Plus que Bud. D'accord. Mais qu'il soit dangereux ou non de cette histoire, je te défends de t'en mêler. Tu m'as créé déjà assez de problèmes avec les gens de Black City et je n'en veux pas d'autres. Je m'en sortirai tout seul. Et je ne veux aucune aide, tu entends? Et puis... Je sais parfaitement qui tu es. Je t'ai reconnu depuis le début. Tu es Django. Tu as une belle renommée dans tout l'Ouest. Et ce n'est que pour l'argent des rançons que tu fais la chasse hors la loi. Je sais très bien que c'est pour ça que Wheeler t'intéressait tant. Et maintenant, ce que tu veux, c'est la récompense qu'on offre pour cet assassin de Sanchez, hein?
Sanchez! Sanchez, réveille-toi! Le soleil vient de se lever. Nous, on est déjà prêts. Sanchez! Momento. Allez, vite! D'accuerdo, d'accuerdo. Dolores, Dolores, va me préparer du café. Thank you.
balles, maudit chien. Et maintenant, je vais t'expédier en enfer. Tu vois, t'as encore eu besoin de moi. Oui, cette fois, c'est vrai. Tu sais peut-être que mon nom est Jack Ronson, mais on m'appelle aussi Sartana. Je suis certain que tu entendras parler encore de moi. Thank you.